Mal soir, ces sacrifices de trash au corps. J'espère que ça va pas trop bien. Aujourd'hui, on va bouger. On va aller dans un endroit spécial. Dans ma caverne. Oh, et... mais c'était où déjà? Ah, c'est par là. Suivez-moi, les lutins diaboliques. On va d'abord passer par le couloir des enfers. Ensuite, le couloir des torturés et le couloir des enfants méchants. Et là, on va y arriver, dans la caverne. On n'est pas loin. Et voilà. Là, devant, des tiroirs avec plein de CD, on va voir après. Les cartons, ça, c'est ce que je reçois. Et là, sur des étagères, là-bas, oh, plein de digipacks, classés par ordre alphabétique sur les étagères, du Léviathan, du Satyricon. Là, en fait, il n'y a que les albums étrangers qui sont classés. Il y en a aussi au fond, tu vois, mais un peu partout, des livres. Et là, en haut, donc là, ça, c'est le début. Ici, ça commence par la lettre A, après c'est B, après c'est C, Cradle of Filth, ouh, là, à côté aussi, ça n'arrête pas. If I could kill myself. Ouais, ça, c'était pas très bon. Elrunar, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. Nous, on a prévu de parler de black metal français. Et donc, on revient ici. Voilà, dans les tiroirs. Alors, avant de voir les digipacks, on va voir ce qu'il y a là. Oïs, la saucisse. Ici, ce sont que des albums francophones, mais pas digipack, tu vois. Et là aussi, c'est classé par ordre alphabétique. Francophone, parce que je mets aussi belge, canadien, si ça chante en français, pour moi, je mets dans les mêmes catégories. Oh, Orsanc, il était bien, hein. On voit de tout, voilà, tiens. Il y en a un bon paquet, rien que là, je sais pas, peut-être 400 à peu près. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est les digipacks. Ah oui, hein, en fait, t'as vu, j'enlève tous les boîtiers, hein, et je mets des plastiques, ça les protège bien. Alors, les digipacks, faudra voir là aussi combien il y en a. Alors, on a quoi? On va commencer là, par A. Aes Dana, ou du Biniou, Alerion, ici, tiens, ça... Mais oui, c'est Alceste, le secret, acheté à sa sortie, bien entendu. C'est des souvenirs, ça. Hein, on ne pensait pas à l'époque que Neige irait aussi loin. Ouais. Moi, je range. Voilà. Je le remets. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais. Oh, Besma H, c'est Sagamore, hein, qui va pas être content. Arcon, ici... Voilà, donc Vive la mort, baise ma vache. On dirait que c'est écrit vache ici quand même. Ah, tiens, ça c'était bien ça aussi. Ça commence à dater, Balrog. Balrog, j'aimerais bien qu'on en écoute un. En plus, on va passer la vidéo. Viens, je vais te mettre mes digipacks en plus. Gentil, hein, je t'ai mis les digipacks les uns après les autres. Bon, on vient à la Belenos, ça c'était bon. Blessed in Sin,
Black Lodge, oui. Rototo. Blutos Nord, bien sûr. On arrive là. Les C, CNK. Bonjour Redmar. Créature Crystalis. Ah, ah oui, Despel Omega. Il y avait le split en deux albums avec Zvest. Duo Elend aussi. Ouais, on va vite. Hein. Garvoal, Black Beast. Hein. C'était sympa ça aussi. C'est vieux ça. Glaciation, très très bien. Ah, je filme mal. Hein. Bah oui, caméra embarquée. Attends. Et puis, ah oui, ça, on va parler de ça. Hegemon. Tout le monde aime Hegemon. Il y avait quoi dedans? Classique. Oui, je remets droit, je suis maniaque. Et là, le livret. Pas mal. Pas mal est dedans. Il y a une petite odeur, ça sent bon. Bon, allez, on va écouter un morceau de ça parce que ça vaut le coup. C'était bien, hein? On continue. H, El Milicia. Tant mieux, ça c'est bon. On enchaîne. Ah, ouais. Alors, ça, c'est les digipacks grande taille qui sont bien casse-couilles parce que pour les ranger, c'est pas facile. Celestia, Dark Sanctuary, Belenos, Ad hominem aussi. J, avec J si froid. C'est bon. Du misanthrope aussi. Bah oui, c'était bien. J'ai eu du bon plaisir avec ça. Mortis mutilati. Alors, je crois que j'ai raté quelque chose. Malvolentia. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Normalement, j'en ai deux. Malcuidant. Oui, Malcuidant. Ce serait bien qu'il sorte quelque chose. Tiens, tiens, tiens. Ça ressemblait à ça. C'était démoniaque. Oui. Thank you.
comprends, c'était bien, hein? M. Bon, ça c'est bon, on a vu. Ah, mutilation, bien sûr. C'est pas un digipack, ça, hein? Ça, oui, ça, c'est un digipack. Peut-être pas officiel. Mystic Forest, le dernier album. Voilà, tu essayes de lire. Ah, Onirisme. Onirisme, ça, c'est un groupe français qui a signé chez Nature Mart, qui avait sorti ça, Sun. Et ici? Ici, c'est pas un digipack. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Sacrifice voulait parler de toi depuis longtemps. Eh ben, tu as bien fait d'être là. Oui. Arios, un de mes groupes fétiches, et surtout cet album qui sue la perversion. Maître des dominations cérébrales. Si tu connais pas, il faut absolument écouter un album qu'on n'oubliera jamais. Arrive à la lettre P, P comme peste noire. Ah ouais. Alors là, c'est quoi ce truc noir justement? Oui. Gros. Et ben voilà, peste noire, les démos. Oui. Voilà, les débuts. Ouais, on le remettra à sa place après. S, S comme sacrifice, et donc que des bons groupes. Sapodia, Sectectum, 7. 7, 7, 7. Ah oui, l'album L'Excellence. Hein? Bon, même si je préfère les blessures de l'âme, celui-ci avait aussi de bonnes choses. Ah, Légion spirituelle, damnatrice. Ah, c'était chez Osmose. Hein. Ah, on le remettra après. Ça, Stracha. Stracha, il a morflé. Hein. Ah, t'as vu la tranche? Mon Dieu. Donc, Enoli Matrimony, c'est pas français. Véhémence. Bien. Vlad Tepes. Ça aussi, c'est pas des digipack, mais je les ai mis là. Et puis, Worms, Your Shapeless Beauty. Voilà. Véhémence, hein, le nouvel album qui est sorti, qui est très bon. Il faut l'acheter. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce que c'était, ça? Ah, ah oui, oui. 6. 6. V1. VI. Et attends, on va écouter ça après, ce serait bien. Tu vois ce que c'est? Est-ce que tu vois ce que c'est? Spectre. Ah, je sais plus quand est-ce qu'ils ont sorti leur dernière chose, album. Hein. Bon, voilà, on va écouter Spectre après. Tu vois ce que ça donne, tout ça, tous ces digipacks. Je sais, c'est pas si impressionnant que ça. La prochaine fois, eh bien, on aura peut-être l'occasion de présenter le reste, soit les digipacks qui sont pas francophones, ou alors on verra peut-être
les albums de Black qui sont pas digipack. On verra ça. En attendant, eh bien, c'est fini. Bye bye.